à toutes les circonstances, aux maladies. Nous parlons et nous crions. Notre Dieu peut nous guérir. Et même s'il ne nous guérit pas, aujourd'hui j'ai résolu de l'adorer, lui et lui seul. À toutes les circonstances, à toutes les situations, nous le déclarons que lui seul est notre Dieu. C'est pourquoi nous voulons te rendre la gloire, ô Dieu. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, nos louanges. Toi et toi seul, toi notre bien-aimé,
notre bien-aimé que nous chérissons tant. Tu es digne de notre adoration, Seigneur. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne de mon adoration. Tu es digne, tu es digne, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es digne de louanges. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Possible sans toi. C'est pourquoi nous disons que tu es honoré, honoré en ce lieu.
quelqu'un qui se rappelle de tes bienfaits. Il y a quelqu'un qui se souvient de tes bienfaits. Tu es. Reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a été souverainement élevé par le Dieu vivant. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alors élevons-le. Les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées et qui se renouvellent chaque matin. Lorsque tu l'élèves, tu es en train de lui dire: oh Seigneur, j'ai choisi de t'adorer, de t'élever, toi et toi seul. Nul autre Dieu que le Dieu de mon salut, tu es élevé. Nous t'élevons au-dessus des situations et des circonstances. Nous t'élevons, toi, l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. C'est toi que nous avons choisi d'élever. Oui, tu es élevé. D'une seule voix, comme un seul peuple, nous élevons le roi de gloire, l'étoile brillante du matin, Jésus de Nazareth. Oui, tu es élevé. Désormais, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, positionnés en Christ. Nos esprits sont inscrits, sont assis avec lui dans les cieux. Tu nous as donné la position la plus élevée. Et nous sommes élevés avec toi en ce moment même. Élevé, oui, tu es élevé. Élevé, Seigneur. Tu es élevé. Tu es élevé. Élevé. Tu es élevé. Élevé. Tu es élevé. Connaître que tu as la place de choix, élevée au-dessus de tout, car il n'y a personne qui soit comme toi, personne qui soit descendu jusque très fond de la terre, personne qui soit monté auprès du Père pour être installé à sa droite. Car toi, tu es à la place la plus haute qui soit. Voilà pourquoi toute langue confesse que Jésus-Christ est le Dieu élevé en majesté, en souveraineté, assis à la droite de Dieu le Père. Nous reconnaissons ta place. Nous reconnaissons avec toute l'assemblée des saints que toi seul est élevé, que toi seul est adoré, que toi seul est honoré, que toi seul est acclamé. Voilà pourquoi nous t'acclamons, car par nos acclamations, nous élevons ton nom au-dessus de tout. Nous élevons ton nom au-dessus de Montréal, au-dessus de Québec, au-dessus du Canada, au-dessus du monde entier, afin que tu sois visible. Et que tous puissent contempler ta grandeur, ta majesté, ta souveraineté, ta gloire. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons éternel de toute notre force. Nous t'acclamons de tout notre cœur. Nous t'adorons, nous t'acclamons de tout notre être. Parce que nous t'aimons, parce que nous te reconnaissons. Et que parce que tu es le seul, l'unique Dieu, le véritable. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur.